On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Disney Magical World. Voilà, je suis toujours habillée en mode mini, toute mignonne, toute cute. Donc aujourd'hui, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, on va faire l'acte de propriété du café, oui. Donc voilà, alors je sais plus du tout si je peux modifier l'apparence extérieure du café après ça, mais voilà, je crois, hein, mais après je ne sais plus du tout. Donc là, ok, alors si je peux aller... Ok, fallait descendre, c'est vrai. Je peux aller plus vite normalement. Tout va bien. Mais regardez, mon café, il est juste trop magnifique. Ah, c'est peut-être ça le numéro 30. Aucune idée. Bon, allez, je vais pénétrer dans mon petit café. Waouh, j'ai même du personnel et tout. Trop classe. J'ai appris la nouvelle de la peur de Sa Majesté le Roi lui-même. Alors c'est toi le nouveau propriétaire? Ouais, c'est moi, c'est merveilleux, merci à toi. Tu es tout ce que je cherchais dans un propriétaire, et plus encore. Oh, je vais l'aimer lui. Je vais me donner à fond, je ferai tout ce que tu voudras. Je suis sûre qu'on formera une super équipe. Maintenant, avant que l'on vienne aux tâches d'un propriétaire, il y a quelques formalités dont on doit s'acquitter. Tout d'abord, le café a besoin d'un nom. Ouh là là, un nom pour le café. Bon, ça me prend déjà... Oh, un nom? Un nom là. Je vais l'appeler le délice. Voilà. Je sais pas, il y a moyen de mettre un accent, oui. Délice. Voilà. Je sais pas, hein, franchement, j'ai mis le premier truc qui me venait. Hein. Café, délice, voilà, le café du délice. Écoutez, hein, on fait avec ce qu'on a. Alors. Oh, j'ai un uniforme! Trop bien! Oh, trop bien! Ouh là là! J'ai combien de trucs là? Oh, en tant que propriétaire, tu n'as pas besoin de le porter, à toi de voir. Oh, bah évidemment, bah oui! Oh, c'est trop bien! Ouais! Trop cool! Je suis trop contente! Et on va bientôt finir le prologue! Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après? Ah, ouais, c'est vrai, on doit ouvrir le café. Mettons la main à la pâte. Ok. Alors, qu'on explique un petit peu le principe. Ok, alors, ta vie en tant que propriétaire du café, comment on va ? Ok. En servant aux clients, des plats délicieux te donneront des pièces. Donne plus de vie à ton café avec toute une variété de plats, ok. Donc il y a des trucs à thème. Petit à petit, tu auras plus de travail. Ok, ça marche. Ok. Bon, je vais passer ça puisque je vais vous l'expliquer de toute manière. Donc c'est pas très important. Ok, ok, ok. D'accord, je peux même changer le nom. Donc si vous avez des idées de nom, hein, voilà, dites-le. Alors nourriture, casse-croûte. Oh bah oui, grande bleue, vas-y, faire à manger. On va s'éclater. C'est trop mignon, quoi. Ok, et boisson, est-ce que j'ai quelque chose? Oh, je suis large. C'est bon. Allez, c'est super. Voilà, comme ça on va pouvoir inviter des clients. Le chancelier va passer... Oh, sérieux? Oula. D'accord. Oh là là, mais le stress quoi. Le chancelier, c'est pas n'importe qui. Hein. Bon, allez. Bonjour monsieur. Félicitations pour votre grande ouverture. Ok. Je vous communique les meilleurs voeux de Sa Majesté également. Mais faut que le roi vienne lui-même, voyons. Ça sert à rien sinon. Non mais de toute manière, parfois nous aurons des petites surprises. Hein. Vous pourrez apercevoir des personnages de Disney dans le café en tant que client. Je vous jure. Vous aurez des fois Cendrillon ou Stitch ou quoi hein, qui viendront prendre un petit café et tout. Ce qui est plutôt... C'est plutôt sympa. J'aime bien le concept. Allez, le premier client, il est assis où? Ok, on va aller le... Alors, est-ce que je fais quelque chose ou pas? Est-ce que je fais quelque chose? Non, on doit attendre. Bon, bah, je suis la serveuse, hein, je suis le gérant, donc je regarde un peu ce qui se passe. Est-ce que j'ai moyen de lui parler? C'est délicieux. Ah, il kiffe.
Ok, donc il m'a donné quelques sous. Je le suis comme un chien, quoi. D'accord, je me suis téléportée derrière la table. Avec cette exigence, c'est compliqué à dire ce mot, de qualité, vous allez devenir la coqueluche de la ville. Sa majesté en sera absolument ravie. Je vais lui voler la vedette si ça continue. Bon, je suis fière de moi, il a aimé. Bon, ça va, j'en ai encore 49 en stock. Ok, ça a complètement renforcé ma confiance. Et maintenant, en ce qui concerne les pièces du chancelier... Oui, donc c'est vrai. Ouais. J'avais zappé ce détail. Oui, bah forcément, on gagne des sous en travaillant, c'est normal. Ok. On collecte les pièces. Ok. Ça va. Terminé, c'est bon, je veux pas de détails. Ça marche. Tu as entendu à propos du café? Oui, je fais la voix de Nier. Ils ont enfin trouvé un propriétaire, l'ouverture est proche. Vraiment, il faut absolument qu'on y aille. Mais venez! J'aimerais tellement que ce soit vous, mes abonnés, qui venez à mon café. Bon, on va dire que tous les gens qu'on va voir là, c'est vous. Voilà. Vous êtes mes abonnés, je vous offre un café et tout ce que vous voulez. La tarte Mickey, je m'en fiche. Voilà, je vous fais tout ce que vous voulez. Le café vient bientôt ouvrir, je veux y aller. Moi aussi, on risque de bien s'amuser. Tout le monde a l'air enjoué. C'est bon signe. Enfin, j'espère, ça se trouve, je vais leur foutre de la crotte. Eh bien, il y a foule dehors. Je me demande ce qu'il se passe. On devrait peut-être aller voir. J'ai peur tout un coup. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Attention, attention, attention. Du monde? Oh, mais c'est... Oh, trop bien, oh, trop bien. On commence bien. Mais c'est Jordana. On a entendu dire que le café était sur le point d'ouvrir. Donc on a décidé de passer. Mais trop bien. Ils ont dû choisir un propriétaire. Qui ça peut bien être? Sans blague, mais tu l'as devant toi, s'il te plaît. Mais elle est bête. Oh, tu veux dire que c'est toi? Bien sûr, oui. Oh, chouette, bien joué. J'aime trop la voix de Mickey. Oh, yeah. C'est merveilleux, c'est le travail idéal pour toi. Qu'est-ce que tu entends par là? Je sais que tu vas faire de ce café un endroit très spécial. D'accord, plutôt. J'ai tout compris, merci. Je l'aime trop. Les préparations se passent bien. Oui, très bien. Super, le café sera ouvert en un rien de temps. Ouais. Oh oui! Oh oui! Oh, je veux! Oh oui! Je m'appelle Cameron. Comme caméra. Ouais! Je suis fière de pouvoir immortaliser les plus beaux et les plus grands sourires. Et si je prenais une photo pour commémorer la grande ouverture du café? Oh, bien sûr, ouais. Eh, franchement. Eh, je veux trop, là. Allez, tout le monde, on se sert. Ce serait dommage qu'on n'ait pas tout le monde après tout. Allez, tout le monde est là, oui. Allez, ouais. Alors, c'est pour ça, hein, quand vous aurez des personnalités, on va dire, hein, des personnalités Disney dans votre restaurant, ben, on pourra prendre des selfies avec. Ouais. Trop bien. Alors, du coup, je vais faire mon petit salut que j'ai appris avec le roi dans l'épisode d'avant. Ah, trop bien! J'aime, hein! J'aime. Ok. Merde. Ah non, j'ai la main devant! Non! Allez! Mais ça va pas. Mais oh, pourquoi j'ai toujours la main devant? Bon bah la souris pas, ok, c'est pas grave. On va dire que ça fait l'affaire. Bon allez. Pour pas avoir la main devant quoi, s'il vous plaît. J'espère que les autres saluent parce que je m'en rappelle plus. Je crois que t'as pas la main devant ou alors ils font un truc. Ils font autrement. Franchement, j'adore cette photo. Je vous le dis, hein. Je la kiffe. C'est l'une des meilleures photos que j'ai jamais prises. Merci à tous. C'est sûr que là, attends, quant à moi sur la photo. Non, je rigole. Moi aussi, et toi plutôt. Waf waf, ouais, très bien. Ah, plutôt ne rater ça pour rien. J'arrive pas à lire aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Alors, si jamais tu as besoin d'un photographe, tu sais qui appeler. À la revoyure. Ouais. J'aime bien ce genre de photo. Ouais, trop bien. Ah, apparemment. Petite création de Daisy, non? Je sais pas.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le café est aussi officiellement ouvert. Le café est ouvert! Ouais, venez les gens! Allez, là, faut qu'on fasse... Alors, qu'est-ce que tu me dis? Bah oui, mais... Ah, oui. Ok, c'est à lui qu'il faut... Oh, d'accord. Ok. Ça marche. Alors, requête du café et un nouveau plat. Hein? Alors. Ok. Bon, ça, normalement, on le sait. Enfin, de toute façon, on va le savoir vu que je vais vous le montrer. Ça marche. Ok, on a l'option dessert. Alors, nourriture. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Dessert. Ah, voilà. Alors, normalement, c'est bon, j'ai tout. Faire à manger, d'accord. Cookies volent au vent. Ça me donne faim, tout ça. Le menu a été mis à jour. Ok. Ça marche. Ok, on a préparé une portion de 50. Tout va bien. On va voir un peu comment vont les clients. Elle me parle pas. Ah là, ah oui, d'accord. Oh, c'est trop mignon. Ils ont carrément pris les formules et tout. Oh, c'est trop chou. J'adore. Bon, je vais peut-être faire ma prochaine mission. Donc, prochaine mission. Qu'est-ce que c'est? On la connaît pas? Ah si. Augmente ton niveau de propriétaire dans le café. D'accord, bon bah je dois rester là en fin de compte. Hein. Bonjour chef. Ouais. Ok, continuez. Voilà, c'est fait. Ok. Bah, c'est génial. Ah bah voilà mon autocollant, je l'ai eu. Génial. Tout va bien. Ah oui, c'est vrai, faut que je clique dessus. Je suis bête. Ok. Le prochain, je crois savoir ce que c'est. Oh là là. Oui. Donc, on va prendre notre temps dans cet épisode parce que je vais pas me lancer dans l'aventure. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, ça va prendre vraiment, vraiment beaucoup trop de temps. Donc, on fera ça dans la prochaine vidéo. Donc là, on va créer la baguette et puis après, on va voir un peu ce qu'on a à faire dans le village. Ok. Donc, comment je vais faire la baguette? Je crois qu'il faut peut-être que j'aille voir Tic et Tac, non? Je sais plus. Bah, vu que c'est eux qui construisent un peu tous les objets, ou alors c'est Daisy, vu que c'est un truc... Je sais pas. Alors, bonjour Jordana. Oh, je t'ai fait peur. Ça fait un petit bout de temps depuis que je t'ai apporté l'invitation de Mickey, non? Ouais. On n'a jamais trop eu l'occasion de parler, donc laisse-moi me présenter en bonne et due forme cette fois-ci. Je m'appelle Laetitia, mais tu peux m'appeler Letty tout court. Mon travail est de livrer les lettres et autres messages d'une personne à une autre. Je suis sûre qu'on va s'entendre à merveille. Oups, j'ai fait oublier, j'ai une lettre pour toi. C'est de la part de Yen Sid. Ah ouais. Ok, je dois te parler. Je te prie de venir à ma tour. C'est tout. Oh, on dirait que Yen Sid a quelque chose d'important à te dire. Maître Yen Sid est un puissant magicien. Donc oui, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est le magicien dans Fantasia. Vous savez, la scène avec Mickey qui est en apprenti sorcier, là, qui fait que des bêtises. Voilà, c'est le fameux magicien ultra puissant. Je suis déjà au niveau 13, mais j'ai pas vu le truc passer, quoi. Je suis déjà au niveau 13. Ok, bon, c'est un rapport avec la magie, de toute manière. Je vais apprendre à maîtriser la magie, parce que oui, il y a plein de possibilités dans ce jeu. Vous pouvez faire des centaines de trucs. Eh oui, vous allez jusqu'à maîtriser la magie. Ouais, ça c'est classe. Oh là là, mais cette tour, elle est trop trop belle, quoi. Ouais. Ah, c'est trop beau, j'adore. Oh, le puits. Branche fine, d'accord. Bon, bah écoutez. Oh, mais je trouve ça vraiment, vraiment trop magnifique. Allez, on rentre. C'est parti! Allons chez le magicien! La musique qui est pas du tout stressante. Oh là là. Bon, par contre, là, ils lui ont fait des yeux un petit peu bizarres, hein, mais bon. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire?
Ok, Yensid. C'est bien moi qui t'ai fait venir ici. J'aimerais que nous parlions de pénibles fantômes qui sont apparus à travers tout le royaume il y a peu de temps. Ces fantômes sont une vraie nuisance. Leurs mauvais tours causent la consternation de tous. C'est pourquoi je suis à la recherche d'un adepte de la magie qui pourrait les faire partir une bonne fois pour toutes. Seules les personnes au cœur pur qui croient en leurs rêves peuvent utiliser la magie. Depuis ton arrivée dans ce monde, j'ai utilisé ma boule de cristal pour pouvoir t'observer. Oh, je suis stalkée, ma parole! Je suis harcelée! Je portais plainte, sérieux! Pendant un peu de temps que tu as passé ici, tu as essayé beaucoup de choses. Ouais. Et tu as déjà énormément œuvré pour tant de gens. Je suis d'une âme charitable. Il se pourrait bien que tu puisses utiliser la magie. C'est pourquoi je vais te demander ceci, Jordana. Si la magie t'était accessible, l'utiliserais-tu pour chasser les fantômes? Oh, c'est lui qui m'offre la baguette en plus. J'ai pas besoin de la faire. Non? Sérieux? Oh, mais c'est bien ça! Cette baguette t'aidera à les vaincre si tu possèdes le pouvoir de la porter. Tu n'as rien à craindre, Jordana. Approche-toi et tourne-la et touche la baguette, pardon. Y réfléchir un peu avant. Ah, non, vas-y, je la touche. Oh, trop mignon! Oh, j'adore! Qu'est-ce qui se passe? Il a l'air choqué, là. Ah, comme elle brille! On dirait bien que tu possèdes un pouvoir magique. Sérieux? Cette baguette est à toi. Là, par contre, ça me rappelle quand Harry Potter il va sélectionner sa baguette. Hein. Voilà, je suis version Harry Potter, là, cette fois-ci. Ok, et encore une chose, le village enchanté est relié à d'autres mondes, vois-tu? Oui, ça, c'est important de le savoir, ceux qui regardent, voilà. Vous, auditeurs, sachez qu'il n'y a pas que le village enchanté dans ce jeu. Utilise la magie et tu pourras voyager entre eux grâce à des portails magiques. Tout d'abord, rends-toi au monde de Cendrillon. Et parle aux gens, s'y trouvant, ceux qui ont été importunés par les fantômes seront plus qu'heureux de voir apparaître un magicien qui pourra les aider. Sur ce, je vais ouvrir le portail menant au monde de Cendrillon. Voilà, pour toutes les personnes qui sont fans de Cendrillon, on va officiellement aller dans son monde. Regardez-moi ce portail magique. Donc je sais plus exactement combien il y a de portails, je crois que ça va maximum à 5, un truc comme ça. Si par exemple il y a des portails, après les autres personnages viendront normalement dans le village enchanté. Enfin bon, il y aura quand même. On verra tout le monde. Hein. Vous avez vu, il y a Pinocchio, la Belle et le Clochard, tout ça. Il y a vraiment plein, plein, plein de monde. Ok, donc là. Après, je sais qu'on aura une mission, du coup, c'est d'aller exterminer les fantômes. Du coup, je pense pas que je le ferai là, mais on va quand même aller dans le village pour voir un peu ce qu'il en retourne. De toute façon, là, on va arriver, ouais. On va arriver dans les 20 minutes. Donc ça va faire l'affaire. Parce que l'épisode précédent avait duré vachement plus de temps quand même. Il y avait plus de choses à faire aussi. Ok. Donc là. Ouais, je vais peut-être courir un peu plus vite. Je vais prendre ça. On n'est jamais trop prudent. Alors là, ok. Un autre petit truc. C'est parti pour le monde de Cendrillon! Waouh! Oh, c'est trop beau! J'avais complètement oublié quoi. Ah ça c'est la maison de Cendrillon avec la méchante belle-mère. Oh, le château, oh mon Dieu. J'aime. Franchement j'aime. C'est magnifique! Mais qui osera me dire que c'est moche, sérieusement? C'est trop 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 beau quoi. Waouh! Puis au fur et à mesure qu'on avance, le château il devient moins flou. Oh non, franchement, franchement j'adhère. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah, graine de lys gracieux, ok. Alors, tu m'as pas l'air d'être du coin. Bienvenue dans notre charmante ville. Pourrais-je te demander une faveur? Voudrais-tu me servir de partenaire pour mon cours de danse? Après tout, je ne voudrais pas avoir l'air maladroite au prochain bal. Je t'en supplie, dis oui, tu veux bien? Danser? Je savais que tu accepterais de m'aider. Allez, allons-y. Waouh! Je vais danser. Non, mais sérieux. Attendez. Entraîne-toi à danser. Pour danser, touche les icônes sur l'écran tactile et imite les mouvements qui apparaissent sur l'écran supérieur. Ok. Ouh là là. Je sais pas pourquoi je le sens pas là.
Bon, c'était pas fameux, hein. Raté 11, quand même. Ok. Je ferai mieux la prochaine fois, hein, parce que là... Ouh là là. Faudra de l'entraînement, je pense, les amis. Parce que, en fait... Je sais pas, je pensais que c'était avec... J'aurais préféré avec les touches, en fait. Parce que là, le tactile, c'est plus dur. Sans déconner, c'est beaucoup plus dur. Alors, la mission, elle est là-bas. Ah, c'est là-bas. On a aperçu d'étranges créatures dans la forêt. Tu ferais mieux de rester à l'écart, c'est bien trop dangereux. Ben non, mais moi, je suis une thug. Et c'est pour ça que tu es ici, pour les faire disparaître. Bon, j'imagine que tu peux y aller alors, mais fais attention. Je veux pas y aller tout de suite. Ok. Bon, je ferai ça dans le prochain épisode. Bon, je vais saluer les gens quand même, je suis polie. Donc Cendrillon, on va pas l'avoir avant quelques épisodes, hein. Je tiens à vous le dire dès maintenant. On est dans son monde, mais c'est pas pour ça qu'on va l'avoir tout de suite. Ok. Alors. Enfin, plusieurs épisodes, j'en sais rien, hein, mais on va pas l'avoir là tout de suite. Je vais saluer tout le peuple. C'est vraiment magnifique. Je suis pas déçue. Hein. Voilà. Ah bah tiens, je vais choper des... Il y a des trucs là. Super. Briques fendues. Est-ce qu'il y a autre chose? Quelques petits trucs? Non. J'ai pas souvenir d'avoir vu autre chose. Peut-être de l'autre côté. Ah ouais. Ça peut être utile. Mini bûche de hêtre. Ok. Bon, eh ben écoutez. Je vais vous laisser avec cette magnifique vue, voilà, sur le château de Cendrillon. Donc la prochaine fois, on va partir à l'aventure. Donc là, par contre, je vous dis que ce sera assez, pas rythmé, mais voilà, ça sera intense, puisque ça sera vraiment un peu comme si on était en mission secrète, vous voyez, avec nos petites armes et tout, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, ça sera une mission infiltration pour tuer tous les fantômes qui hantent le monde de Cendrillon. Et franchement, ça s'annonce juste super bien. Franchement, c'est ce que je préfère faire en fait dans le jeu, hein, donc ça va me faire plaisir de le refaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Oula! Pour une prochaine vidéo. Voilà, donc gros bisous à vous et à bientôt! Tu as aimé la vidéo? Tu peux retrouver toutes les autres en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi suivre mon actualité en me suivant sur les réseaux sociaux. À bientôt! Ah, ne clique pas sur les boutons, ce sont des faux.